Salut la compagnie médiévalesque. C'est beau ce mot, hein. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, on est encore là pour créer et rentrer notre nom dans l'histoire et créer notre dynastie avec notre ami Racibor qui se porte plutôt bien. Son village a bien grandi, il est devenu plutôt un gestionnaire, il fait un petit peu moins de choses, mais malgré tout il met un petit peu la main à la pâte. Voilà. Du coup, on démarre cette petite vidéo. Alors, simplement pour vous faire une petite présentation très très rapide. Dans le sens où vous l'avez peut-être vu, il se profile une nouvelle mise à jour. Voilà, elle est déjà en place sur les versions bêta. Bon, vous le savez, moi je ne joue pas en version bêta. Donc, je ne sais pas à quel moment elle va arriver. Donc, c'est la version 0.5.0.0. Avec comme beaucoup de changements et pour nous peut-être intéressant puisque entre autres les points pour l'écurie vont redescendre, ils étaient je crois à 5000, ils vont passer à 2000 de mémoire, donc ce qui veut dire qu'on va avoir notre écurie, donc je ne vais peut-être pas trop faire le forcing sur l'agriculture, même si j'ai un petit peu avancé puisque vous voyez qu'en technologie je suis à 4600, donc j'étais pas très loin. Il y aura d'autres modifications, voilà. Donc j'aimerais vous faire une petite vidéo sur ces modifications. Donc voilà, je vais simplement peut-être avancer sur l'automne, histoire de pouvoir basculer sur l'hiver et vous parler des changements. D'ici là, si effectivement la mise à jour est mise en place sur les versions classiques comme la mienne, ce qui fera l'objet de cette vidéo, je pense. Donc voilà, c'était simplement pour cette petite présentation. Voilà, c'est vrai qu'on est aujourd'hui le 19, voilà, la mise à jour a été, enfin, l'annonce était faite ce week-end, ou juste avant le week-end. Voilà, mais comme on n'est pas en bêta, on n'en profite pas encore. Voilà, vous continuez, ça pousse, voilà, tranquillement, le petit village. Là-bas, ça construit, je suis toujours un petit peu en manque de pierre, et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite avec ça. Voilà, allez les amis, on se retrouve, je l'espère, pour vous parler un peu plus de la mise à jour. Allez, de retour les amis pour ma dernière journée de l'automne. Et vous pouvez le voir ici en haut à gauche, je suis toujours en alpha 0407. Ce qui veut dire que nous n'avons pas officiellement encore basculé. Et voilà pourquoi je vais terminer la petite vidéo que j'avais commencé en début de semaine. Pour vous ayez un petit épisode ce soir, peut-être pas le plus intéressant, mais bon, écoutez, il sera là. Et j'espère que la mise à jour ne va pas tarder, puisque je me suis préparé petit à petit pour cette mise à jour. Alors je vais quand même vous faire voir. Bon, je dis petit à petit, j'ai anticipé l'arrivée de l'écurie, puisque vous voyez, j'ai fait des fers à cheval et j'ai fait une selle déjà tout près. Bon, je n'ai pas encore l'écurie parce que je ne suis pas arrivé aux 5000 points à la base pour la débloquer. C'est un peu compliqué, je fais pas trop de travaux des champs, moi non plus, vous voyez. Je laisse ça aux autres, mais bon, tant pis, hein, je ne mets pas la main à la pâte, mais c'est pas grave, j'assume. Et du coup, on va atteindre la mise à jour, parce qu'avec la mise à jour, le bâtiment ne sera plus à 5000, mais à 2000, donc ce qui veut dire que je l'aurai automatiquement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à faire la selle, tout ça. Je me suis dit d'ailleurs que c'était pas mal à faire, puisque ça se vend, je pense, super bien aussi. Bon, après, honnêtement, je crois que les problèmes d'argent sont derrière nous. Voilà, moi j'ai 30 000 pièces, on produit tellement de choses maintenant que... Très honnêtement, on n'est pas à la rue. En plus, vu la quantité d'argent qu'ont les marchands dans chaque village, on a vite fait le tour, hein, d'aller vite les dépouiller, ces gens-là. Donc je ne sais pas s'il y aura peut-être des pseudo mises à jour aussi, peut-être pour l'avenir, ce serait pas mal. Bon, j'ai quasiment fait toutes les quêtes, il n'y a que celle-ci que j'aurais pas fait, hein, ni plus ni moins, vous voyez. Il n'y a que celle-là, Ornica, j'y suis pas allé, j'avais la flemme et tout le reste, je l'ai fait. On a retrouvé un petit peu les mêmes choses. Dans l'idée. Voilà, les champs se sont plantés. Alors, on peut aller faire un petit tour. Je vais vous faire voir quand même. Ils se sont plantés. Il n'y a pas grand-chose. Allez, salut, allez, au boulot, les amis. C'est bien. Voilà, toujours plein d'entrain. Comment ça, plein d'entrain? On y va, là. On se dépêche, madame. Allez, on y va. Oui, allez, on y va, hein, s'il te plaît. Voilà. J'aime pas trop, hein. Salut, Zibert. Regarde bien comment on fait les champs, hein. Hop là, les poules, le coq là, oh, la poule, qu'est-ce qu'on fait?
prendre un coup, quoi. Hop là. Donc je disais au niveau des champs, bon bah ça bossait. Alors j'ai organisé un petit peu, parce que de, j'ai fait un champ que de sec, que de sec, que de sec. Voilà, de pas trop mélanger les cultures. Je sais pas, hein, on n'en est pas encore à faire des rotations de cultures dans le jeu, donc ça va. Donc là j'ai du seigle. Ici c'est mon champ de lin, mais pour l'instant il n'est pas planté. Ici j'ai mis, c'est pas encore planté, et ça se plantera, je pense, au printemps. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? De l'avoine, bien entendu. Voilà, voilà. Ensuite, le on va pas dans les cultures, pas tout me casser, toi. Là, c'était le pavot machin, mais ça, on en a pas. Là, je crois que j'ai rien mis. Là, maintenant, on est parti sur du blé. Voilà, j'ai fait un grand champ de blé. Là, on avait des choux, mais ils ont été récoltés, donc je pense pas que ça se replante. Est-ce qu'il va se replanter? Si, surtout ici, je crois, parce que j'ai un rang de carottes. Un rang de carottes, donc les carottes ça se plante en hiver, donc je pense que notre ami va venir mettre un petit peu d'engrais déjà et nous planter tout ça, ce qui nous fera peut-être monter un petit peu la compétence d'agriculture. D'ailleurs, le houblon continue à pousser, je sais pas, voilà, je n'ai pas d'indication quand ça se récolte, si, souvenir, on verra bien. Les arbres fruitiers, ben, ils sont toujours là, pas de fruits, bon, ben, bien, ils sont petits, hein. S'il y avait des fruits, ce serait vraiment des petits fruits, hein. On n'ira pas chercher au chipoter bien, bien, bien loin. Là-dessus, voilà, donc tu le surveilles, là, qu'il n'avait pas me bouffé les cultures, lui, hein, il me bouffe les graines, hein, il a assez dans sa mangeoire. Voilà, eux, je peux pas non plus les, hein, les traire, forcément, c'est un mâle, je ne peux pas le traire, le mâle. Je sais pas où est la femelle, elle est là, tiens, là, oh, je les sens pas, ils vont vouloir me bouffer les fruits, eux, tu vas voir, qu'il va falloir que je me mette en colère, il va falloir que je les parque, hein, pour, où tu vas? Où tu vas? Tu t'arrêtes, là? Voilà, c'est bon, on va pas dans mes champs, hein, s'il te plaît. Bon, surveille ça s'il te plaît, Edita, hein, je compte sur toi. Eh oh, se calme, on se calme un peu, hein. Bon, allez, on continue, nous. Donc voilà un petit peu où j'en suis sur cette partie-là. Les moutons, est-ce qu'il faut les tondre? Oui, bah allez, on va les tondre, les amis, parce que celui qui s'en occupe, toujours pareil, il tond rien du tout, il tond rien du tout, c'est vraiment une vraie misère. J'espère que là aussi la mise à jour va corriger ça. Toi, viens là, hop, cours pas, viens là, viens là, viens là, c'est le moment que ta tonte. Allez, hop, on s'arrête. Oui, c'est pas peine de gueuler, toi le cochon derrière. Enfin, qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Allez, couple, voilà, hop, allez, allez. Oui, c'est bon, allez, je reviendrai un peu plus tard. Cochon, là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va, t'es tranquille, toi? Là, t'es dans l'enclos des vaches, là, petit, parce que t'es gros qu'il faut faire le... Tu peux pas faire le nécessaire, Présor, là, pour ton cochon, là. Ah, ça commence à m'énerver, s'il te plaît. Allez, tu y vas. Allez, on y va. Tu te débrouilles, là. Hein? Oh, non, mais oh. Allez. Pas possible, mais c'est qu'il faut que j'intervienne de partout, moi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir aussi? Ah oui, je peux aller vous faire voir. J'ai fini les deux bâtiments que j'avais commencé, hein, c'est-à-dire... l'atelier de couture numéro 3, niveau 3, pardon, et l'atelier niveau 3 tout court. Voilà, donc j'avais mon atelier couture niveau 2 qui était là, le niveau 3 il est là, à l'entrée du village, tranquillement, et de l'autre côté, bah voilà, l'atelier de niveau 3 qui est ici. Voilà, ça me laisse un peu de place encore, je pense, pour quelques bâtiments là derrière, oui, là, par rapport au champ. Voilà, de toute façon, je n'ai pas forcément envie d'agrandir la population. Je pense que j'ai assez de monde, ça suffit pour l'instant. Voilà, l'écurie, ben, souvenez-vous, on va la mettre au fond là-bas. À la place de l'ancienne taverne que j'avais mis, je vous fais voir. Hein. Hop, là, j'ai dégagé un petit peu le terrain. Ouais, souvenez-vous, là, on avait la taverne de niveau 1. Ça, je l'ai enlevé puisque j'ai la niveau 2 qui est juste là, en face de vous. Et la niveau 3 qui est là-bas. Donc là, l'écurie, ça me paraît pas mal d'être par ici. Voilà, sinon, alors ce que je vais faire, parce que comme je prévois un petit peu l'avenir, et puis bah, comme le village quand même commence à être connu, moi un petit peu aussi, je me suis dit qu'il serait temps quand même que je m'occupe de mon apparence. Donc on va jeter un petit coup d'œil, déjà, mes chaussures, voilà, je m'aperçois qu'elles donnent 5% de protection contre la chaleur et contre le froid, et bien on va déjà regarder les amis s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant pour nous. En termes d'artisanat, couture, alors en termes de chaussures, alors les chaussures, on a ici celle-ci par exemple, qui donne quoi? Donc un plus 10 pour le froid, vous voyez, d'accord. Sachant que moi, je vais avoir mes chaussons aussi hein, pour l'hiver, j'ai la possibilité d'avoir du plus 10 contre la chaleur et du plus 5 contre le froid là, sur les chaussures ordinaires, les chaussures en fourrure.
Donc ça va être le top pour le froid. Donc j'ai bien envie de faire ça, hein, et puis se le mettre dans notre stock. Je me souviens plus ce que j'ai à la maison d'ailleurs. On va aller voir. C'est peut-être con que je fabrique si je les ai dans mon corps et que ma femme les a rangés et que je le sache pas. Oui, bottes en fourrure, ça fait combien? Moins 15 pour la chaleur et plus 35 contre le froid. Donc autant dire que pour les pieds, je suis pareil. La tête, c'est plus 25. Donc ouais, donc ça sert pas à grand chose, à vu les amis, que je fasse ce que je me suis dit. On va quand même vérifier. C'était les bottes en fourrure. Hein. Là j'avais quoi? Chaussures en fourrure. Donc là on est à plus 25, plus 20, donc nous on a plus 35, c'est mieux, donc là il n'y a rien d'intéressant. On va aller chercher peut-être la couture 2, voir ce qu'il y a. Alors en termes de chaussures, est-ce que je l'ai là? Voilà, botte en fourrure, ça doit être ça. Ouais, c'est ce que j'ai, oui, 35. Donc on va pas le faire. Là je suis plus 20. Donc au niveau des pieds, je vais aller voir l'atelier couture 3. Au niveau des pieds. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal pour l'hiver. Hein. Je me payerais peut-être bien des chaussures nobles, parce que à un moment donné, je vais quand même basculer de changer de statut, à mon avis. Hein. Ou alors des chaussures raffinées. Bon, enfin bref, pour les pieds, c'est fait. Pour la tête, les amis, qu'est-ce qu'on a besoin? On a vu qu'on avait du plus 25. Là, je suis à plus 30 sur une capuche longue en fourrure. Ça paraît peut-être bien, ça. Donc on va essayer de voir si on peut faire ça à tout hasard. Donc il nous faut du tissu de laine, il en faut 3, et il nous faut de la fourrure, il en faut 6. Ok, et puis surtout que j'achète les plans, donc on regardera ça un petit peu après. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres? Voilà, gilet en feutre, plus 25 contre le froid, plus 30 contre le froid. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un gilet matelassé. Pareil, tissu de laine, il va m'en falloir 600 tours. Du cuir, du coup, il va m'en falloir 2. Et du lin, il m'en faudra 2. Ah, je trouve que je suis pas mal là. Je suis pas mal. Voilà. Parce que je crois que mon niveau habit en haut, j'ai pas grand chose. Hein. Ça fait combien? Plus 1, plus 5, ouais. Et puis peut-être un nouveau pantalon, les gars. Ah bah oui, un nouveau pantalon, ce serait bien. J'en ai pas vu sur les. Ah, on va aller voir, retrouver couture 3, pantalon, vous voyez quelque chose? Non, il n'y a pas de pantalon. Donc on va retourner sur le niveau 2, je dois avoir des pantalons là. Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, on a quoi? Plus 20 contre le froid, c'est pas mal celui-là. Donc il faut de la laine encore, plus 2, du tissu en lin, il m'en faudra, et des fils de lin. Ouais, je pourrais peut-être tout faire. Bon, on va déjà voir si on a les ressources, et puis après on achètera les plans. Ce serait pas mal ça. Hein. Hop, allez, hop. Allons voir si nous avons ça dans nos coffres, ce qui serait bien d'ailleurs. Alors, on a dit des tissus de laine. Alors, tissu de laine, fil de laine, non. Fil de lin, ouh, j'en ai qu'un, et je sais pas s'il m'en faut pas plusieurs. Bon, on va le prendre. Tac. Du coup je vais emmener le lin parce que je ferai du fil de lin. La fourrure, on a dit qu'il nous en fallait au moins, voilà, pas 43, je vais en prendre 10, mais ça suffit largement je crois. Ensuite j'ai besoin du cuir, combien il nous en faut? Je crois qu'il en faut pas beaucoup, hein. Je vais en prendre 5, je crois qu'il en faut que 2. Voilà, et il manque quoi là? Alors, tissu de lin, oui, j'en ai besoin, je les prends tous. Tissu de laine, je les prends tous. Je crois qu'il me faut tout ça. Et la laine, ou bah, on va prendre la laine, puisqu'on va faire du fil de laine en même temps. Ouais, on va en profiter, les amis, qu'on est à l'atelier de couture. Bon, allez, on va préparer nos tuniques pour l'hiver qui se profile. Prochaine saison, l'atelier, non. Donc, couture, c'est au bout, là-bas. C'est au fond à gauche, les amis. Allez, on va aller tester le nouvel atelier. Voilà. Oh, bon, bah, il n'y a rien de bien spécial. Hein. C'est le même que d'habitude. Alors, je vais tout de suite voir ce que je peux faire. Alors, en termes de chaussures, on a dit qu'on faisait pas. Hein. On a dit qu'on faisait une chemise.
tissu de lin, donc j'en ai pas assez. Ok, le pantalon. J'ai dit quoi pour le pantalon? Là, mais le problème, c'est que je sais plus lesquels c'est. Bah, peut-être que j'achète les plans. Oh, je sais plus. Pantalon, pantalon. Je sais pas lequel c'est. Bon, et j'avais, me semble, la capuche, j'avais dit que je ferais. Mais c'est pareil, je sais plus lequel c'est. Celui-là. Longue capuche en fourrure. Ouais, donc là, on peut le faire direct. Je vais acheter le plan. R. Et je vais faire la capuche. Voilà, ça, ça sera fait déjà. Je me souviens, il me fallait bien la capuche. Allez, je sais, vous n'avez pas beaucoup l'habitude de voir faire de la couture, mais quand même. Je suis touche à tout, les amis. Touche à tout. Pof, nickel. Ensuite, on avait prévu quoi? Pantalon. Alors, je vais aller vérifier que je me plante pas de pantalon. Ce serait con quand même. La taverne, non, c'est pas dans la taverne. Couture, voilà, pantalon, j'ai dit celui-là. Ça, hein, plus 20 pour le froid. Nickel. Donc là, je vais l'acheter pour 400. Voilà, j'ai fait l'OMA. La chemise, je crois que c'était. On a dit le gilet matelassé, donc on va l'acheter. Ouah, 1500 pièces. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Voilà, et là il faut du tissu de laine, des fils de lin. Voilà, donc là maintenant il faut que je fasse des fils de lin, des tissus. Voilà, on peut mettre tout ça. On va aller au rouet. Non, c'est pas ça, hein, mon ami. Si je mets un coup de marteau, alors. Ah oui, mais il faut des tiges de lin. On va déjà faire le fil de laine. Et oui, pour faire le fil de lin, il faut des tiges de lin. Alors moi j'ai du lin, donc il faut que j'aille battre le lin. Pourquoi il m'en a fait qu'un? Ah oui, là je peux en faire un paquet là. Allez, on va tout faire. Donc on fait, on est là. Hein. On va faire un peu de tissu de laine aussi. C'est long hein, le fil de laine à faire. Hein. Vous voyez, je vais plus regarder combien de temps là. On est à. Ouais, presque 9 secondes pour faire un fil de laine. Hein, donc faut être pressé. Bon, ça nous permet de discuter, voilà, dans l'attente un petit peu de cette mise à jour. J'ai quand même hâte qu'elle arrive, moi, pour ce cheval-là, histoire de pouvoir se déplacer assez rapidement sur la carte. C'est rigolo. Il y a l'histoire de l'âne aussi, hein, donc on va pouvoir... alors, je sais pas si ce sera un nouveau bâtiment ou si on le met dans l'écurie, je ne sais pas trop. Voilà, est-ce qu'il faut lui fabriquer, alors pas des selles, mais des sacs spécifiques aussi pour mettre la marchandise, pour aller vendre plus de quantité. Voilà, ça va pas rigoler quand on va passer dans les villages, nous, hein. Un passage et on va ruiner le village. Donc là, messieurs développeurs, faites quelque chose hein, pour augmenter le nombre de pièces, sinon on va être en surproduction là. Et pas envie de jeter la production à la poubelle quand même. Un dommage. Allez. Allez, encore deux. Allez, c'est fini. Hop, on va regarder tout de suite si on a la possibilité de fabriquer quelque chose. Alors les bottes. Bottes faux, garçon. Je les ai pas achetées. Bah non, on avait dit qu'on avait... je risquais pas. Le pantalon, on peut le faire? Oui, on peut le faire. Et ben on y va. Nickel. Un joli pantalon. Et il va me manquer la chemise, hein, c'est ça, le gilet là, matelassé. Je vais aller voir ce qu'il me manque, parce que là du coup je pense qu'il va me manquer des ressources. Alors le gilet il est où? Sûrement tunique, c'est ça, non? Le gilet matelassé. Alors j'ai besoin de quoi? De deux fils de lin. Donc il me faut du lin. Donc si moi je vérifie dans mon inventaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai du lin, donc je vais aller faire des tiges de lin. Ah, ce serait bien. Du fil de laine. J'en profite. Et bon, de toute façon, on va revenir. Bon, on va aller faire notre tige de lin.
Allez, j'y veux pas de course quand même. Hop, voilà. Allez, go. On va faire la totalité. Puis on récupérera les graines de là. Voilà, un peu de battage. Vous voyez, je touche à tout, hein, tous les postes, les amis. Hein. Je suis formé. Je suis polyvalent. Comme on dit aujourd'hui. Il faut être polyvalent. Moi j'ai bien compris, hein. La plupart du temps je suis très poli, et puis je suis pas sûr que je suis bien valant parfois. Allez. J'aime bien les bruits, ils sont assez réalistes, hein, je trouve. Allez, ça c'est fait. Les graines, oh bah écoutez, on va les poser tout de suite. Après me dire, je te signale qu'il y a des carottes à planter, hein, t'oublies pas. Hein. Pas me faire avoir moi, les graines sont tac, allez on transfère les graines, tac, oui, hop, c'est bon. Ouais, on ira voir si t'as bossé, hein. Sinon demain je vais me mettre en colère. Allez, je suis reparti. Donc on a dit, oui, on va aller faire le fil de là. Allez, on va changer d'atelier. Il y a du monde là, ouais, allez, on va l'emmerder lui, hop. 3, ouais, je pense que j'en aurai assez, mais il m'en fallait 2, hein, je crois. Mes amis, je crois que c'est tout simplement 2. Voilà. Super. T'es au tissu là? Bon, je vais aller dans l'autre atelier, je voudrais pas te déranger. Déjà, je trouve que c'est pas hein, les producteurs les plus enthousiasmes aussi. Gilet, donc c'est ici, ouais j'en ai assez, super, allez on fait le gilet, 20 secondes, ça rigole pas, bon, on me dirait c'est un gilet, hein. Pas des chemises, c'est pas des chaussettes non plus, hein. Forcément il faut un peu de temps. Nickel, j'ai dit que puisqu'on était là on allait faire un petit peu de... tissu en laine. Alors on va en faire 7. Allez, c'est bon. On va quand même garder des fils de laine au cas où, parce que moi il faut des fils de laine et pas forcément du tissu de laine. Donc ça aussi les amis, faites-vous pas avoir, hein, quand vous faites vos fils de laine, faites pas tout en tissu en laine derrière, parce que bah après vous aurez plus de fils de laine, et pour certaines fabrications bah il lui faut, hein. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs pour le lin. Moi je me suis fait piéger au départ, donc voilà, pensez-y, voilà, tombez pas dans le même piège que nous. Bon après je dis ça, parfois ça se trouve, je retomberai dans le piège, hein, c'est clair que... Alors sachez aussi, je sais pas si je vous l'avais dit en termes d'aide, vous voyez là je suis en train de produire, on peut rien faire. Alors sachez que si vous pouvez interrompre la production en appuyant sur échappe. Hein, moi je vais laisser faire le sixième là, hop, ça suffira. Hop, et vous voyez, hop, j'appuie sur échappe, ça quitte, j'arrive sur la roue et j'arrête. Et là il s'arrête. Donc au cas où, si vous voyez que vous avez fait une erreur en disant oh punaise, j'ai fait tous mes fils de laine en tissu, bah vous pouvez arrêter les productions au cas où si vous avez fait une petite boulette. Voilà, voilà. Donc, eh ben écoutez, on est pas mal. Je vais aller mettre ça au coffre. Hein. Qu'à te le dire, on va aller mettre ça dans le coffre de la maison. Voilà, comme ça on aura nos petits habits pour l'hiver. Alors là, je vais vous dire, les amis, je suis pas prêt de m'enrhumer non plus, hein, a priori. Hein. Le gilet matelassé, tac. Alors le pantalon, bah, il est surtout pour l'hiver celui-là, hein, si on regarde bien, protection contre le froid, la chaleur. Moi, celui que j'ai... Il fait un peu les deux, donc on verra peut-être. Je vais peut-être pas vous, alors je vais me mettre en short là, comme certains du village. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Du coup, ma capuche en fureur que j'avais, bah ça, je vais l'enlever parce que je peux aller la vendre maintenant. Voilà, donc j'aurai mes bottes, ma capuche, mon gilet matelassé, mon pantalon. Si je sais ce qu'il me faut que j'ai pas fait, vous auriez pu me le dire, les amis, vous auriez pu me le dire. Et ben, c'était quand? Et attends, il fait froid l'hiver, j'ai des gants là, je crois. Alors, je me souviens plus, taverne 3. On a des gants là, dans le coin ou pas? Mais pas taverne, qu'est-ce que je vais faire des gants dans une taverne?
Alors, chapeau, chapeau, chaperon, nanana, 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 grande sacoche. Non, il n'y a pas. Couture 2. Là, il n'y a pas, 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 là, il n'y a pas. Bon, du coup, je vais être obligé de me rabattre sur les gants en cuir. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, j'avais les gants en cuir qui sont. Je les ai passés, mais c'est celui-là, cuir épais. Ah oui, d'accord, ça doit être celui-là. Donc, ceux-là, vous voyez, plus 5 et plus 10 contre le froid. Donc, faut que j'aille m'en fabriquer là aussi. Alors, j'ai peut-être plus de fil de lin, deux fils de lin. Et 4 cuirs. J'ai pas assez de toute manière. Ouais, je pourrais faire ça. Mais je suis pas sûr d'avoir assez de fils de lin dans mon truc là. Qu'est-ce qu'il me reste? Fil de lin, il me reste qu'un. Ah oui. Fils de lin, il me reste 9. Je peux pas faire mes gants tout de suite. Bon, bah, c'est pas grave. C'est déjà bien là. Je suis déjà bien équipé pour l'hiver, hein, moi je pense. Hein. Allez, nickel. Donc ça c'est fait. Du coup, hop, je vais aller reposer toutes mes ressources. Ça bosse, ouais, ça va. Alors vous verrez, hein, beaucoup de modifications sur la forge aussi, la mise à jour. Hein, le fourneau sera un petit peu plus actif, vous voyez, parce que là on est un peu bugué. Hein. Elle y va bien, mais voilà, on verra un peu du rouge. Alors c'est sûr que maintenant, ça sera un petit peu plus long aussi, parce qu'il va falloir faire, je crois, des lingots, voilà, trouver les minerais. Faire des lingots et ensuite faire les choses. Hein. Donc, c'est les évolutions. Alors, le cuir, on repose. Les fils de laine, je repose. Le fil de lin aussi. La fourrure, plus besoin. La laine, on la pose. Les tiges de lin, je repose. Voilà, enfin, je repose tout. Nickel. Et ben, on est pas mal, les amis, là. On est pas mal. Tac, 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 tac. Voilà, bois de chauffage, on l'a préparé. On est à 2000, vous voyez. Hein. Donc, autant dire que l'hiver devrait bien se passer au niveau des stocks. Je commence, voilà, je sais plus trop quoi en faire, c'est ce que je vous dis, hein, je réduis un peu la voilure de production, les bâtons, voilà. Peut-être améliorer un peu les coutures, peut-être avec des coutures en pierre, mais il faut que je refasse du stock là, parce que je suis pas très performant sur la pierre. Voilà, les tiges de lin, on les a remis ici, tac tac tac. Les outils, ben, c'est bon, il y a des pioches. Il y a des haches, il y a des lances de pêche, il y a des couteaux, donc normalement on n'est pas emmerdé, il y a des marteaux. Donc voilà, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Les flèches en pierre, on continue à m'en faire. Voilà. Donc oui, je suis bien, hein, je suis vraiment bien là. Voilà. La bouffe, on va aller jeter un petit coup d'œil à la bouffe peut-être. Hein, normalement c'est bon, hein, j'en avais fait hier soir, oui, j'ai stocké des rondins là, comme ça. Voilà. Hop, la bouffe, normalement j'aurais fait le truc, là, ils vont être contents, hein. C'était la saison des champignons, donc ils bouffent du champignon à gogo. Hein. Voilà, donc j'aurais fait des soupes de champignons, et il y en a presque une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Les œufs brouillés champignons dans une casette, sachant que ça nourrit 40. Content dire qu'ils n'en consomment pas des masses, puisqu'on est toujours lié à ce phénomène. À la gestion, hein, souvenez-vous, hein, ici, de la nourriture. Voilà, on me dit que je consomme à l'heure 16,6 bouffe, donc moralité, on va dire 10 heures, ça fait 166, et ben vous le multipliez par 2, 320, allez 342 pour 20 heures, vous rajoutez 4 heures, donc on va dire 60, 342, donc ça veut dire grosso modo je consomme 400 bouffe par jour, donc par rapport à ce qu'il y a dans le coffre, je fais mon calcul comme ça, moi j'espère qu'il est juste. Vous le voyez par exemple sur mes œufs brouillés, voilà, là j'en ai 10, donc j'ai 40 nourritures, donc s'ils prennent les 10, ça fait mes 400, donc ça normalement ça devrait me faire une journée, et encore je ne suis pas certain parce qu'il me semble qu'ils en prennent moins quand même que 10, mais bon, on peut toujours se donner l'information. Oui, je vais laisser à 10, je raderai 5, je referai une petite vérif là-dessus. Champignons, ça prend que 10, hein. Donc là il en prend un peu plus, soit 170, donc ça devrait faire qu'une journée, mais en principe je pense que ça fait quand même plusieurs jours, donc voilà, je suis pas sûr que mon calcul soit bien juste, ma proportion des choses aussi, ni plus ni moins, mais bon, on est tranquille aussi pour la bouffe, hein. Voilà, ça va le faire, j'ai pas besoin, non, ça veut dire que j'ai quasiment, c'est quelle heure là,
Voilà, il est 3 h de l'après-midi, tranquillement, vous voyez, on a passé la journée. Ça va vite, hein, mine de rien, un peu de fabrication, tout ça, tout ça. J'ai monté là ou pas? Ah oui, 400, j'ai monté de 20, là, vous voyez. Alors, j'ai monté de 20, non, c'est parce que, à mon avis, et ça, c'est la bonne nouvelle, regardez bien, on va aller voir les champs. J'avais dit les carottes, c'est mon champ numéro 4. Eh ben non, c'est pas une bonne nouvelle, elles n'y sont pas. Alors on va juste aller jeter un petit coup d'œil. Elles y sont pas, mais est-ce qu'il a mis l'engrais? Mais non, je le vois là, il glandouille encore, il fait rien. Oh, boulot, on a bien des graines de carottes au moins. Ah oui, on a 70, qu'est-ce qui m'embête lui? T'as de l'engrais, t'as tout ce qu'il faut là. Faudra peut-être y aller là. S'il te plaît là. Bon après, je suis pas inquiet, voilà, je sais que sur les... De toute façon, il a toute la... saison, mais pourquoi je dis que je suis pas inquiet? On est en automne, il risque pas de les planter. C'est moi qui fais une connerie. C'est en hiver qu'on les plante. On n'est pas en hiver, j'ai pas basculé encore. Oh là 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 là. Commence à me tourner la tête ce village. Hein. Je commence à plus savoir ce que je dis ou ce que je fais là, avec tout ce monde là et tous ces soucis qu'il faut gérer hein, au quotidien. Mais bon, c'est la vie du village. C'est la vie du village. Bon, voilà, eh bien, écoutez, je vais clôturer là-dessus pour cette petite vidéo, tranquillement, voilà. J'avance jusqu'au soir pour basculer en hiver. On basculera en hiver qu'ensemble, hein, comme d'habitude, en espérant que ça soit sur la mise à jour. Voilà, en tout cas, à ciao, à plus, et à la semaine prochaine. Bye bye!